Tu peux dire à ton voisin, tu es au bon endroit ce soir. Voilà, tu peux te retourner vers une deuxième personne, tu lui dis, tu es au bon endroit ce soir. Tu peux lui dire, j'espère que tu as des mouchoirs parce qu'on va danser. Alors, quelques règles. Si vous avez des enfants, ce serait bien qu'ils soient avec vous, d'accord ? Pour pas qu'ils aillent à l'extérieur ou autre. Deuxième chose, très important. Si tu sens la musique entrer en toi, que le Saint-Esprit est en train de t'encourager à danser, avance et danse. Si tu sens vraiment qu'il faut danser, sors de tes rangs et danse. Amen. Si tu veux glorifier le Seigneur, viens devant et glorifie le Seigneur. Ok? Donc ça, c'est les règles, petites règles. Si tu sens que ton voisin, il commence à, voilà, à bouger à cause de la musique, mais il n'ose pas, accompagne-le, va devant, danse avec lui. Amen. Derrière moi, vous avez vu la chorale. Steve Choir. Steve Gospel Choir. Alléluia. Ils ont prévu un répertoire pour nous. Mais surtout déjà pour glorifier Dieu. Le gospel, c'est l'évangile. Le gospel, c'est l'évangile. C'est un mot anglais qui veut dire évangile. Alors, évangile de quoi ? Évangile de qui ? Qu'est-ce que l'évangile ? C'est un témoignage de ceux qu'ils ont vécu avec Jésus-Christ. Et ce soir, nous sommes nombreux parmi vous à être croyants, à être chrétiens, à avoir vécu plein de choses avec Jésus. Et simplement au travers des chants, au travers des paroles, au travers de l'atmosphère qui va être créée dans cette salle, vous allez sentir l'amour de Jésus dans votre cœur. Vous allez sentir la présence de Dieu au travers des chants. Peut-être que tu vas pleurer. Peut-être que dans ton cœur, tu vas sentir quelque chose, une chaleur. Peut-être que tu vas trembler. Peut-être que tu ne pourras plus rester debout. Sache que ce n'est pas de la magie ou ce n'est pas quelque chose de bizarre. C'est simplement Dieu. Maintenant, j'ai une question à te poser. Si Dieu était présent dans cette salle, comment tu pourrais tenir debout ? Mais Dieu est bon et vous allez vivre des choses extraordinaires. Pour ceux qui étaient là ce matin, nous avons vécu un culte extraordinaire. Il s'est passé plein de choses merveilleuses. On a entendu des témoignages de vies transformées parce qu'ils ont accepté Jésus. Des couples restaurés, des vies restaurées simplement à cause et grâce du nom de Jésus. Aujourd'hui, vous allez être témoin de la puissance de Dieu au travers de ce qu'on appelle la louange et l'adoration, qui sont des chants, des prières avec de la musique que nous adressons à Dieu. La Bible dit que lorsque son peuple, donc c'est-à-dire nous qui sommes réunis pour adorer Dieu, la Bible dit que Dieu descend au milieu de son peuple, au milieu de la louange et l'adoration. Et je suis simplement en train de vous préparer parce que Dieu vraiment prend plaisir en ses enfants et que Dieu va descendre dans cet endroit. Écoutez la louange qu'on lui donne. Amen. Tapote sur l'épaule de ton voisin, dis-lui, prépare-toi, Dieu arrive. Donc, je vais laisser la place. Est-ce qu'on peut ensemble tous les encourager? La chorale Siv Gospel Choir.
certaine, le sauveur, oui, toi seul, est digne, berger, père, ma forteresse, mon réponse, toi seul, est digne, tu es digne d'être. Thank you.
la joie. Si tu es dans la joie, je t'invite à pousser des cris de joie. On va taper des mains comme ceci. Dans le nom de Jésus.
ce soir. Nous te célébrons, nous te célébrons, nous te célébrons. Nous te célébrons, nous te célébrons. Nous te célébrons, alléluia, nous te célébrons, nous te célébrons. À jamais, tu règnes, tu es victorieux. Alléluia. Je crois que quelqu'un ce soir expérimente l'amour, le toucher de celui qui aime depuis le commencement, Jésus. Celui que la mort n'a pu garder. Alléluia. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais. À jamais, à jamais, à jamais glorifié. À jamais. À jamais, à jamais. La nuit versa des larmes. Alléluia. La nuit versa des larmes. Le jour noircit son âme. Le sauveur de ce monde est tombé. De son corps sur la croix, son sang versé pour moi. Le poids de tous mes péchés. Oh, ouh, eh. Le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu livré aux ténèbres. Le combat est mené, la guerre est remportée, la force de l'enfer est brisée dans un tremblement de mort ou
chantons alléluia, chantons alléluia, chantons alléluia, l'agneau a triomphé, chantons alléluia, chante avec moi. Ce soir, tu peux le dire, toi qui es là. Tu peux le dire, toi qui es là. L'agneau a triomphé. L'agneau a triomphé. Chantons alléluia. Chantons alléluia. Chantons alléluia. Chantons alléluia. Chantons alléluia. L'agneau. Jesus.
Alléluia. Bonsoir à tous. Rebonsoir. Nous espérons que vous avez été bénis et que vous êtes bénis au milieu de nous. Alors, ce chant que nous allons prendre, c'est un chant lingala. Et j'espère que vous allez comprendre, tout comme moi j'ai compris. Hein, parce que je suis des Antilles et le lingala et moi, c'est pas trop ça. Mais j'ai fait un effort. Donc, je vais vous inviter à vous lever ce soir. Yeah.
Jésus. Nous sommes dans la joie. On va chanter, danser pour le Seigneur. On va jouer pour le Seigneur. On va parler, proclamer des paroles de grâce, de remerciement pour le Seigneur. Nous allons faire monter des paroles excellentes envers notre Dieu. Oh Lord, oh Lord, you are my God and King. Est-ce que tu le crois? Oh Lord, oh Lord, you are my God and King. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Oh Lord, oh Lord, you are my God. You are my God and King. Hey, hey, hey. Oh Lord, oh Lord, you are my God. Encore une fois, disons. Oh Lord, oh Lord. My God, you are my God and King. C'est la vérité. Oh, oh Lord, oh Lord, oh Lord, you are my God and you are wisdom, righteousness. You are wisdom, righteousness, ending in power. Standing in power, your children will be blessed. Say hallelujah, hallelujah, in times of my distress. You're my strong tower. You're my strong tower. I will pray. Oh Lord, oh Lord, you are my God. Oh Señor, Señor, tú eres
standing in power. Standing in power. With the righteousness. With the righteousness. Standing in power. Standing in power. With the righteousness. With the righteousness. Standing in power. Standing in power. With the righteousness. With the righteousness. Standing. Standing. Everybody sing hallelujah. Hallelujah. Oh, hey. Hallelujah. Oh, hey. Donne pas envie de danser un petit peu, un petit peu, un petit peu. Oh Seigneur, oh yeah, 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 oh say yes, oh yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Jesus. Yeah. Oh, oh yeah. Saying yes. Yeah. Oh yes, Lord. Yeah. Yeah. Oh yeah. Should you we say yeah? Oh yeah, 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 yeah. Yeah. Oh, oh yeah. Sing hallelujah. 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 Après-midi. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Oh, 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 yes. Oh, 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 yeah. Est-ce qu'il y a des femmes qui chantent aiguës comme ça? Oh, il n'y en a pas beaucoup. On va faire un petit jeu. Hey, hey. Vous allez répéter après nous. Les filles vont lancer et les femmes qui chantent. Oh, vont suivre. Est-ce que c'est compris? Oh yes, oh yes, oh yes. Come on, vous nous montrez la voix les filles. Come on, soprano. Alléluia. 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 Say again, say again. Oh yes! Alléluia! Encore! Alléluia. Oh yes! On a des chanteuses! Yeah. Alléluia! Les filles, vous êtes comme ça, ça, ça! Oh. Est-ce qu'il y a des filles qui chantent plus bas? Alto, come on, vous nous montrez la voix. Come on, c'est alto. Alléluia. 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 Sing hallelujah, come on. Alléluia. 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 On y va les filles, on y va, on y va. Sing hallelujah. Hey, 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 hey. Oh, alléluia! Vous êtes trop fort! Vous êtes trop fort! On a une population de chanteuses extraordinaires dans cette salle! Oh, est-ce que vous pouvez vous applaudir vous-même? Est-ce qu'il y a des femmes dans cette salle? Yeah, 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 yeah.
tes hommes dans cet endroit. Oh, 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 oh. Vous allez suivre le même mouvement que les filles. Nos ténors vont nous montrer la voie. Et vous allez répéter, 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 répéter. Comme un ténor, sing Alléluia. 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 Again. Hallelujah. Again. Hallelujah. Again. Hallelujah. Allez, 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 allez. Hallelujah. Oh, oh. Hallelujah. 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 Encore, encore. Hallelujah. Oh yes. Hallelujah. Oh yes. Hallelujah. Est-ce qu'on peut applaudir pour les hommes? Enrôler dans la chorale. Chacun a retenu sa voix. Alors on va le faire tous ensemble avec sa voix. Come on. Together, sing hallelujah. Alléluia. 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 Yes, Omega, oh Lord. Oh, oh, yeah. I sing yes, yes. Oh, yes, yes. Oh, yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Oh, oh, yeah. I sing yes, Lord. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Dans la joie, n'est-ce pas? Yeah. Alléluia veut dire gloire à Dieu. Tu as dit aujourd'hui gloire à Dieu. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Les chantres vont prendre une toute petite pause pour laisser place aux danseuses qui ont une chorégraphie à vous montrer. Et c'est ça aussi le gospel. C'est ça aussi la louange et l'adoration que nous devons nous donner à Dieu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, tout est une question d'adoration. C'est une question de louange parce que nous sommes chrétiens et nous voulons donner gloire à notre Dieu. Pour tout ce qu'il a fait pendant ce week-end, il y a plein de personnes qui étaient là. Il y a eu des guérisons, de nombreuses personnes, nombreuses vies ont été transformées et changées. Et c'est pour cette raison que nous faisons ce concert pour remercier Dieu au travers de nos chants, au travers de notre louange, de notre adoration, au travers tout simplement de nos danses également parce que nous voulons lui dire merci. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer la présence de Dieu? Et si les chants, les danses sont prêtes, qu'on puisse me faire signe depuis la technique si c'est bon. Alors, on me demande d'attendre. Ah, on va attendre. On va attendre.
Ok, c'est bon. Il y a la lumière, je vois presque rien. Ça y est, apparemment, c'est en train d'arriver. C'est bien. C'est bon signe. Mais tu peux nous montrer le pas de danse, si tu veux, en attendant. On va bien danser aussi. Hein. Il y a des chanteurs, il y a des chanteuses, peut-être il y a des danseurs qui sont là. Alors on s'étire ou pas ?
Est-ce qu'on peut encore l'encourager? Héloïse, est-ce que tu peux venir encore? Bien, 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 bien. Voilà, on va lui laisser deux petites secondes pour prendre son souffle. Je vous présente ma grande sœur Loïs. Voilà, c'est ma grande sœur. Vous avez vu? Est-ce que tu peux nous expliquer les paroles peut-être de ce chant et ce que tu as voulu exprimer aussi? J'ai transmis les paroles, la traduction à la régie, s'ils pouvaient l'afficher. Donc c'est vraiment important de comprendre les paroles, sinon vous aurez du mal à saisir l'essence du chant, si on peut afficher les paroles. Donc pour ceux qui font de l'anglais, vous avez peut-être compris, c'était relativement les mêmes phrases qui se répétaient. Quand les eaux s'écrasent contre moi, il va me sauver. Jusqu'à maintenant, il m'a toujours sauvée. Jusqu'à maintenant, il a toujours été à côté de moi. Et quand je sens la tempête qui fait rage, je déploie mes ailes comme l'aigle et je monte au-dessus de la tempête. Voilà. Est-ce qu'on peut encore encourager? C'est Loïs Lannoy. J'ai invité les... Il y a une deuxième danse aussi, c'est Salmina et Naomi qui vont danser. Donc, je les laisse. Toute la scène est pour vous. Inside.
Alléluia. Salmina et Naomi, vous pouvez rester avec moi. On va faire le même exercice. Non, mais vas-y, respire, c'est bon, ça va aller. Hein? Donc, la moins fatiguée, c'est Naomi. Tiens, Naomi. En fait, dans ces chants, on parle de la profondeur, en fait. On est en train de danser en disant au Seigneur, je vais te louer en profondeur, je vais t'adorer en profondeur. Et c'est pour ça qu'on a dansé avec les bannières, justement, pour exprimer ce feu, en fait, qu'on doit avoir en tant que chrétien. Essayer de chercher Dieu, d'aller en profondeur. Voilà. Wow. On va chercher Dieu en profondeur. Dis à ton voisin, profondeur. Et on entre dans la profondeur de cette deuxième partie de concert. Alors j'ai invité toute l'équipe à me rejoindre. On va aller en profondeur. Est-ce qu'on peut les encourager? On va tous se lever, c'est-à-dire on va se dégourdir un peu. Voilà, mais tu peux continuer à les encourager, c'est très bien. Vous pouvez tous vous lever, on va poursuivre. On va poursuivre avec l'équipe Siv Gospel Choir. Alléluia. Donc, surtout, ne manquez pas l'album qui va bientôt sortir.
a marvelous mystery. Que j'aime particulièrement, notre sœur Fanny, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez l'accueillir, s'il vous plaît? Alléluia! Alléluia! Merveilleux moment, merveilleux moment. Nous allons célébrer, continuer de célébrer le Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Celui qui a trouvé Jésus a trouvé la vie. Et nous, nous l'avons trouvé. Et nous, nous l'avons trouvé. Alléluia!
Oui, Seigneur, en toi, nous avons trouvé la vie, la paix, la joie. Amen. Alléluia. En toi j'ai trouvé le pardon divin, la paix et la joie, le vrai bonheur. En toi j'ai trouvé un chemin certain. Et quand je serai là-haut, dans tes demeures, je chanterai ce refrain sans fin. En toi j'ai goûté la vie éternelle.
n'existe que par toi. Je n'existe que par toi. Je n'existe que par toi. Je n'existe que par toi. Moment avec des personnes que nous aimons particulièrement. Notre Dieu est digne d'être célébré en ce lieu. J'espère que comme nous, vous passez de merveilleux moments. Alléluia. Yes, yes. Oh,
saison, c'est ma saison, c'est ma saison de toucher. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de parler. C'est ma saison, 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 tu touches. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, tu touches. Si tu l'avais, rien que le ciel. De toi, deviens plus réel, deviens plus palpable. Je veux une autre dimension de toi, deviens plus réel, deviens plus palpable. Dimension de toi, deviens plus réel, deviens plus palpable. Je veux une autre dimension de toi, deviens plus palpable, deviens plus réel, deviens plus palpable. Présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, Jésus. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi.
Alléluia. Alléluia. Nous voulons adorer notre Seigneur ce soir. Alléluia. Nous voulons ensemble glorifier, lui dire qu'il est saint. La Bible déclare qu'il est saint. Il est trois fois saint. Alléluia. Il est digne d'être élevé ce soir. Alléluia. Est-ce que ce soir tu es prêt, prête à m'aider, s'il te plaît? Alléluia. J'ai besoin de toi. Alléluia. J'ai besoin de toi ensemble afin que nous puissions glorifier notre Dieu, lui dire qu'il est trois fois saint. Tu peux le magnifier ce soir. Est-ce que tu peux l'élever? Tu peux le magnifier.
sur le Alléluia. Il règne, il règne à jamais. Est-ce que tu peux le dire? Assis sur le trône, assis sur le trône. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu peux encore acclamer le Seigneur. Alléluia. On va donner un peu de repos rapidement pour les chantres. J'ai quelque chose à vous dire d'important. Est-ce qu'on peut allumer toutes les lumières? Je vous laisse vous reposer 10 petites minutes. Et après, ils ont vraiment prévu un programme pour vous faire chanter, danser. Ça va être le feu après. On a dit on va en profondeur. Vous pouvez allumer toutes les lumières, s'il vous plaît. Ah, j'ai besoin de voir tout le monde. Amen. On a vécu 3 jours où, pour ceux qui ont vécu vraiment ces 3 jours qui sont là depuis vendredi, on a eu des choses extraordinaires se passer. On a vu des malades être guéris. On a eu des finances qui ont été guéries aussi. On a vu des personnes qui ont été transformées. On a vu des témoignages encore ce matin. On a vu des personnes qui étaient transformées, qui ont rencontré Jésus et qui ont été transformées. J'aimerais ce soir vous parler pendant 10 minutes. Dis à ton voisin, ça va pas être long, c'est bon. Mais pendant ces 10 minutes, j'aimerais avoir ton attention à 100%. Est-ce que c'est possible? Oui,
C'est bon? T'es sûr? Lève-moi la main, tu me dis oui, c'est bon. Fais comme ça. Alléluia. Pendant 10 minutes, on va lire la parole de Dieu et on va voir qu'est-ce que ces chrétiens que nous sommes, qu'est-ce qu'ils ont? Ils chantent, ils pleurent quand ils chantent. On a l'impression vraiment que ce qu'ils vivent, c'est vrai. Mais nous, on ne sent rien. Alors, je vais prendre une histoire qui se trouve dans la Bible, au chapitre 15 de l'évangile de Luc. Pour éviter d'être trop long, je ne vais pas vous lire toute l'histoire, mais on va simplement résumer le début. Cette histoire, c'est le fils prodigue. Pour ceux qui étaient là ce matin, le pasteur en a touché quelques mots. Le fils prodigue, c'est quoi? C'est l'histoire d'un jeune homme qui en avait marre d'être chez lui et qui voulait avoir sa part d'héritage. Il travaillait dur avec son frère dans la maison de son père. Il travaillait très dur. Il amassait beaucoup de trésors. Il avait beaucoup d'argent. Et il s'est dit, moi, je ne veux plus être dans cette maison. Je veux vivre ma propre vie, avoir mes amis, avoir ma maison, avoir mon logement. Je veux vivre ma vie. Je veux faire ce qui me plaît. Je ne veux plus être sous les ordres de mon père, me lever tous les jours, travailler. Je veux vraiment faire ma propre vie. Et la Bible parle d'un mot, débauche. Ce n'est pas le mot là, quand tu quittes le travail, hein. Ce n'est pas la débauche qui est là, d'accord? C'est la débauche qui dit que maintenant, tu vis dans le monde, tu fais ce que tu veux, ce qui te plaît. Tu vas boire, tu vas fumer, pour être joyeux, toi tu as besoin d'alcool, tu as besoin de femmes, tu as besoin de cigarettes, tu as besoin de shit, tu as besoin de plein d'autres choses. Pour être joyeux, tu as besoin de toutes ces choses, parce que ta joie n'est pas parfaite. Et il serait difficile pour toi, en fait, d'être joyeux sans toutes ces choses. Alors c'est ça, la débauche. Et ce fils, ce jeune homme, cette personne, avait décidé donc de vivre sa vie. Et avec tout l'héritage que son père lui a donné, il allait en ville et il a dilapidé son argent. Il a acheté tout ce qu'il rêvait, tout ce qu'il voulait. Il a fait ce qu'il voulait. Il a dépensé son argent. Et quand il avait de l'argent, il avait plein d'amis. Il avait toujours des amis avec lui parce que ses amis aimaient son argent. Il y a des personnes qui aiment ton argent, mais ce ne sont pas des amis. Il y a des personnes que tu rencontres sur ton chemin qui aiment bien être avec toi, mais ce ne sont pas tes amis. Il y a des personnes qui boivent avec toi, mais ce ne sont pas tes amis. Qui fument, mais ce ne sont pas tes amis. Il y a des personnes qui traînent avec toi. Il y a des femmes ou des hommes qui te disent « c'est pour la vie », mais ce n'est même pas pour une semaine. Et toi, tu y crois parce que quelque part, tu recherches l'amour de quelqu'un. C'est ton cœur à la forme... Ton cœur, en fait, a un vide, et ce vide a la forme de Jésus. Tant que tu ne mets pas Jésus dans ton corps, dans ton cœur, rien ne va rentrer à sa place. Tu vas tout essayer, mais ton cœur sera toujours vide. Parce que Jésus, il y a seul Jésus qui peut combler la place qui manque dans ton cœur. L'homme, au début, a été créé par Dieu. Et nous croyons réellement que Dieu a créé l'homme. Il l'a créé avec lui, il l'a créé avec une pièce maîtresse qu'est Jésus dans son cœur, la présence de Dieu. Mais à cause du péché, ce que nous appelons le péché, c'est la débauche. À cause de la débauche, eh bien, Jésus est parti. Ils ont délaissé, ils ont abandonné Jésus. Alors pour être complet, tu as besoin de Jésus. Dans cette histoire, il nous a raconté que le fils, une fois qu'il avait dépensé tout son héritage, eh bien, il était encore plus pauvre qu'avant, que quand il était dans la maison de son père. Au moins, il était logé, nourri, blanchi. Il avait de quoi avoir, de quoi se couvrir, se vêtir. Eh bien là, il avait tout dépensé et une grande famine survint dans le pays. Donc non seulement il avait tout dépensé, mais en plus de ça, le pays était désert. Donc tu ne pouvais même pas cueillir un fruit par-ci, par-là, il n'y avait rien. Et il a trouvé finalement un travail.
Mais dans ce travail, il devait garder les cochons, les pourceaux en fait, il devait garder les cochons. Et les cochons étaient mieux nourris que lui. Voilà ce que la Bible dit. Les cochons étaient mieux nourris que lui. C'est-à-dire que le propriétaire aimait plus ses cochons que le gardien. Et qu'il était obligé lui-même de vouloir manger la nourriture des cochons. Il était devenu esclave. Il était encore moins bien logé, nourri que les cochons. Même les cochons avaient plus de valeur que lui. Et dans ce moment de trouble, dans ce moment de dépression, parce que cet homme, à mon avis, était en dépression profonde, il a repensé à son père. Et il se disait, dans la maison de mon père, j'étais tellement bien. J'avais à manger tous les jours. Je mangeais peut-être 3 fois par jour. Et je grignotais entre les repas. Et j'avais de quoi me vêtir. Je pouvais changer de tenue comme je voulais. Et j'avais l'eau en abondance. J'avais une maison quand il pleuvait. Il avait toutes ces choses et il pouvait se réjouir avec son père. Et repenser à ça, se dit, mais aujourd'hui, je suis dans la boue avec les cochons. Alors il s'est dit, il faut que je rentre chez moi. Il dit au verset 19, je ne mérite plus, non au verset 18, je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Alors il commença à rentrer en direction de la maison. Et le père, l'ayant aperçu au loin, court vers lui. Il était content, son père. Content de voir son fils revenir à la maison. Content de voir que malgré... Le père pensait que son fils, dans cette famille, était mort. Ils n'avaient pas le téléphone, hein. Ils n'avaient pas le texto non plus, ils n'avaient pas WhatsApp, ni le mail, ni le courrier, c'était chaud. Okay. Donc dans la famine, ils pensaient que ça y est, le fils était mort. Et quelle joie fut pour le père de voir son fils au loin arriver. Alors il dit quoi à son père? Donc son fils lui dit, effectivement, mon père, j'ai péché contre Dieu, et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous allez trouver, et mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici mon fils était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ sur le chemin du retour. Quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda « Qu'est-ce qui se passe ?» Le garçon lui répondit « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois, tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère, que voici, était mort et il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. » Est-ce qu'on peut juste applaudir pour cela, pour la parole de Dieu? J'aimerais te dire à toi, qui t'es engagé avec Dieu un jour et qui a préféré aller voir dans le monde au lieu de rester dans la maison de Dieu, il est temps pour toi de revenir à Christ. Il est temps pour toi de revenir dans la maison de ton père. Et sache que ton père qui est Dieu ne va pas t'abandonner. Il va même tuer le veau gras, festoyer. On dit qu'il y avait des danses, il y avait des chants.
toute la maison de son père était en réjouissance à cause simplement d'un fils qui revient à la maison. J'aimerais parler à des gens, peut-être tu me regardes aujourd'hui. Tu as accepté un jour Christ dans ta vie. Et puis tu t'es dit, ça y est, je suis sauvé, maintenant je peux faire ma vie. Sache que tant que tu n'es pas passé par les eaux du baptême, tu ne peux être sauvé. Pourquoi ? Parce que le baptême est une continuité de la repentance que tu as faite. Je ne pourrais pas dire et garantir ta vie spirituelle si tu ne conclus pas ton engagement avec Dieu par les eaux du baptême. Pourquoi ? Quand tu acceptes Jésus, c'est comme si tu te fiances. Ok ? Tu te fiances avec Jésus. Tu te fiances. Mais si tu restes toute ta vie fiancé, ça veut dire que tu te laisses une porte de sortie et que tu décides de vivre en concubinage. Or, Dieu honore le mariage, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que même si tu es fiancé, tu ne peux pas consommer le mariage. Tu ne peux pas vivre pleinement ton mariage tant que tu n'es pas marié. C'est-à-dire qu'il y a des bénédictions qui sont attachées au mariage. Bon. Ça veut dire également que lors du baptême, il y a des bénédictions qui sont attachées au baptême parce que tu as décidé de t'engager pleinement avec Jésus. Le baptême est une suite de la repentance et à ce moment-là, on peut dire oui. Tu es né de nouveau. J'aimerais vraiment éclaircir ça aujourd'hui dans ton esprit, peut-être à toi qui me regardes. Peut-être tu es contre cette parole parce qu'elle vient en fait vraiment déformer tout ce que tu avais dans l'esprit. On t'a toujours dit peut-être que tu peux être sauvé sans le baptême, donc tu as décidé de croire en Jésus et puis ça suffit. Sache que les démons croient aussi en Jésus. Et les démons, ce n'est pas parce qu'ils croient en Jésus qu'ils seront sauvés. Est-ce qu'on est bien clair ? Il faut que tu passes par les eaux du baptême afin que tu puisses conclure le mariage avec Jésus, afin que tu puisses t'engager concrètement avec Jésus, que tu ailles jusqu'au bout de ce que Dieu a commencé à faire dans ton cœur. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur aujourd'hui. Tu sais que je suis en train de te parler. Tu as donné ta vie un jour à Jésus. Tu as pleuré comme une petite fille. Tu as donné vraiment ton cœur à Jésus. Tu étais en larmes. Tu avais compris sur le coup. Tu as dit, oh oui, je veux Jésus. Tu es rentré chez toi et tu as commencé à faire ta vie comme tu voulais. Avec la conscience, tu te dis, de toute façon, je suis sauvé. C'est pas grave. C'est faux. Remercie le Seigneur aujourd'hui parce qu'il n'est pas encore revenu et que tu es encore dans cette église. Car il y en a beaucoup qui sont morts dans cet état. Tu as la grâce aujourd'hui d'entendre cette parole. Que cette parole puisse vraiment toucher ton cœur, là où tu es assis. Et que tu prennes la décision enfin de mettre ta vie en règle et de revenir dans la joie de ton Père. N'attends pas d'être parfait pour revenir à Jésus. Car si tu étais parfait, tu n'aurais pas besoin de Jésus dans ta vie. Est-ce que tu comprends ? C'est Jésus qui ôte le péché du monde. Si tu pouvais toi-même sortir de ton péché, tu n'aurais pas besoin de Jésus. L'Église est le meilleur moyen d'être transformé pour arriver, pour changer de nature. Pour arriver dans la sainteté. N'attends pas d'être saint pour arriver dans cette église. On va t'aider. Tu as besoin de changer de vie. C'est Jésus qui opère ce changement. Par les eaux du baptême, tu vas être changé en autre homme. Lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, qu'est-ce qui se passe ? Jésus vient dans ton cœur, dans ton esprit. Il lave ton esprit. Il te donne une nouvelle intelligence pour comprendre les mystères qui sont cachés de Dieu. À ce moment-là, la foi naît dans ton cœur, dans ton esprit. Tu as Jésus. Tu entends Jésus te parler. Même certains ont déjà été baptisés du Saint-Esprit. Écoute bien. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. À ce moment-là, il n'y a plus de cas de possession, comme tu as pu déjà entendre. Les démons te manipulaient, mais parce que tu as accepté Jésus, ta vie a été changée. Mais laisse-moi te dire que le baptême, qui est pour toi simplement peut-être juste un symbole, dans ce baptême, tu obtiens la transformation de ton corps physique. Et si il y avait encore des démons dans ton corps, à ce moment-là, ces démons restent, on les noie dans l'eau. Et comme ton esprit a été changé, ton corps aussi est changé. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est ton esprit qui est changé, c'est ton corps qui est changé aussi. Donc pour toutes les personnes
Vous avez donné votre vie à Jésus un jour. Votre esprit est changé. Gloire à Dieu. Vous comprenez et vous avez la connaissance des choses. Gloire à Dieu. Votre esprit est changé. Gloire à Dieu. Mais vous n'êtes pas encore né de nouveau tant que vous ne passez pas par les eaux du baptême. Vous savez, toutes les personnes qui sont, toutes les femmes qui portent des enfants ne donnent pas naissance à des enfants. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez porter un enfant, mais cet enfant ne sort pas dans tous les cas. Tu peux effectivement avoir reçu Jésus dans ta vie un jour et ne pas naître de nouveau. Parce que le baptême n'a pas été institué juste pour faire joli. Il y a une portée spirituelle dans le baptême. Reviens dans la maison de ton Père. Reviens dans la maison de ton Père. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, au travers de tout ce que tu as ressenti dans ce concert, au travers de tout ce que tu as vu depuis ce week-end, tu sais que Dieu existe. Tu sais que Dieu existe. Si tu es dans cette salle, lève la main où tu es. Tu sais que Dieu existe. Tu as besoin de recevoir Jésus pour la première fois dans ta vie. Lève la main simplement là où tu es. Ok. Maintenant, j'ai parlé aux autres personnes. Tu as déjà reçu Jésus dans ta vie. Tu n'es pas encore passé par les eaux du baptême. Mais tu comprends que c'est important de passer par les eaux du baptême. Tu as besoin de mettre en règle ta vie. Tu as besoin de revenir à Jésus. C'est aujourd'hui que nous faisons la fête. C'est aujourd'hui que nous tuons le veau gras. C'est aujourd'hui que nous allons te recevoir et que la joie de Dieu va s'installer dans ton cœur. Je parle à toutes les personnes qui ont refusé d'être baptisées jusqu'à présent. Que toutes les personnes qui ont compris ce que je dis maintenant, qui ne sont pas encore baptisées, et qui désirent vraiment mettre leur vie en règle et de terminer ce qu'ils ont commencé un jour, de s'engager avec Jésus pleinement et d'être sauvés, d'être une nouvelle créature, un nouvel enfant de Dieu. Que tu puisses t'avancer, on va prier pour toi. Y a-t-il des personnes dans l'assemblée qui souhaitent mettre en vie, mettre en règle votre vie? Avancez-vous, on va prier avec vous. Gloire à Dieu. Appuyez les musiciens. Gloire à Dieu. Je sais qu'il y a encore d'autres personnes dans la salle. Tu résistes dans ton cœur. Tu résistes dans ton cœur. Tu vas résister combien de fois vas-tu résister à l'appel que le Seigneur te donne? Chaque semaine, Dieu crée des occasions pour qu'on te parle. Chaque semaine, Dieu te parle. Chaque semaine, Dieu interpelle ton cœur. Combien de temps encore vas-tu résister? Combien de temps encore vas-tu résister? Finis ce que tu as commencé. Donne complètement ta vie à Dieu. Donne complètement ta vie à Dieu. Complètement. Complètement ta vie à Dieu. J'ai dit une fois, j'ai lancé cet appel. Si tu vois ton voisin qui est en train de discuter, dis-lui, écoute ce qu'il est en train de dire, c'est pour toi. Si tu vois devant quelqu'un qui est en train de discuter, dis-lui, écoute, c'est pour toi. La parole est pour toi. Elle est pour toi. Vous savez, j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 14 ans. Donc tous les jeunes qui sont dans la salle, j'ai donné ma vie, j'avais 14 ans. J'ai dit, moi Seigneur, je vais donner ma vie pour toi. Alors je l'ai fait et je me suis fait baptiser aussi à 14 ans. Il y a eu des hauts, des bas, des hauts et des bas. Mais je sais que je m'étais engagé pour ma vie, pour toute la vie. Et j'ai bénéficié des bénédictions du baptême. Tu entends ma vie, tu entends ma voix. Et tu sais que je m'adresse à toi. Le Saint-Esprit est en train de s'adresser à toi. Tu entends ma voix, peut-être tu es sur Internet. Tu entends ma voix et tu veux mettre ta vie en règle parce que tu as compris ce que l'Esprit est en train de dire. Fais-nous signe sur Internet
afin que tu puisses recevoir pleinement la vie en Dieu. Alléluia. Il y a encore des personnes, je vais vous demander de tous fermer vos yeux, de baisser vos têtes. Ceux qui peuvent prier, prient. Il y a un combat. Il y a un combat dans le cœur. C'est une affaire spirituelle. Il y a un combat dans le cœur. Il y a encore d'autres personnes dans la salle. Il y a encore d'autres personnes qui entendent ma voix. Et vous entendez le Saint-Esprit qui est en train de vous parler. Et le Saint-Esprit est en train de dire, vas-y, c'est toi. C'est de toi qu'il s'agit. Vas-y, vas-y. C'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. N'aie pas honte. N'aie pas honte de venir, de t'approcher. N'aie pas honte de t'approcher. Jésus est présent dans cet endroit. Reviens dans la maison de ton Père. On va célébrer Dieu. Reviens dans la maison de ton Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Je lance cet appel une dernière fois. Il y a un combat dans ton cœur. Tu as peur de venir t'avancer. Le diable te dit, mais non, tu ne vas pas y aller devant tout le monde. Tu as peur de venir. Mais pourtant, Jésus est en train de frapper à ta porte. Il te dit, mon fils, ma fille, reviens. Reviens à la maison. Engage-toi jusqu'au bout et tu verras ce que je vais faire pour toi. Il y a un combat dans ton cœur. Engage-toi. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne laisse pas passer ce moment. Ne laisse pas passer ce moment. Il est temps de revenir à la maison. D'abandonner cette vie qui te lasse, qui te fatigue, et d'aller jusqu'au bout de ton engagement. Jésus te parle. Il parle encore à une personne. Il parle encore à une personne. Il frappe. Il frappe à la porte de ton cœur. Bénissons le Seigneur pour toutes ces personnes qui se sont avancées. Gloire à Dieu. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, vous avez pris une décision. On va se rencontrer. L'équipe qui va vous accueillir, l'équipe d'intégration va venir. Elle va prendre soin de vous. Et si vous n'avez pas encore d'église, nous serons heureux de vous avoir au milieu de nous pour pouvoir vous aider à aller jusqu'au baptême et de vous enseigner les choses afin que Jésus réellement transforme votre vie, afin que la vie de Dieu coule dans votre vie et que vous soyez totalement changés et transformés. Car il y a des choses que Dieu donne à ses enfants, mais seulement à ses enfants. Gloire à Dieu. Je vais demander à toutes les personnes de se lever, d'étendre vos mains, on va prier ensemble pour eux. Gloire à Dieu. Je vais prier pour vous. Amen. Prions tous ensemble pour eux. Attendez, je prie. Merci pour ce choix qu'il a fait. Conduis-le encore, Seigneur, qu'il marche en nouveauté de vie, Père. Aide-le, Seigneur. Et viens, Seigneur, sceller cet engagement dans son cœur, dans le nom de Jésus. Et viens encore. Bouge son cœur. Merci, Seigneur, parce qu'elle s'est avancée aujourd'hui, Père. Seigneur, nous déclarons, Père, que nous allons prendre soin de tes enfants, Père, jusqu'au baptême. Et plus loin encore. Viens encore sceller, Seigneur, son engagement dans le nom de Jésus.
déclare que ton engagement est scellé dans le nom de Jésus. Père, je viens dans le nom de Jésus. Je scelle, Seigneur, cet engagement. Marche plus loin, en profondeur avec toi, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Partir à zéro. J'ai invité les chantres à venir. On va chanter simplement pour ce chant, pour accompagner nos invités, les raccompagner avec l'équipe d'intégration. On va continuer à chanter ce chant. Et j'aimerais dire à toutes les personnes qui ne se sont pas avancées, vous avez eu un combat dans votre cœur, vous savez, la porte de Jésus est toujours ouverte. Peut-être qu'il y a eu un combat, mais ne t'arrête pas là. Si tu veux me rencontrer à la fin, rencontrer un leader, tu peux le faire. Je sais que ce n'est pas évident pour certaines personnes de s'avancer, et c'est un combat. Mais la porte de Jésus est toujours ouverte. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Gloire à Dieu. Je vous invite à repartir. Oui, on peut donner gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, ce soir, nous allons aller vers la fin. Mais avant d'aller vers la fin, je vais vous présenter notre boss. C'est lui qui va venir conduire la fin. Bon, il nous fatigue beaucoup, hein, jusqu'à 2h du matin. Il nous a fait travailler fort. La CIF Gospel Choir, c'est le boss. Et c'est lui qui va conduire la fin. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de l'acclamer pour tout le travail qu'il fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir en ce lieu? Mais c'est vrai, je vous vois, mais est-ce que vous êtes là? C'est vrai que je vous vois, mais je me laisse savoir si vous êtes là. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il n'y a que des habits, mais il y a des esprits, mais je veux des humains aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu? Vous savez, dans la Bible, il y a un terme pour pouvoir exprimer la célébration de Dieu, c'est Hillel. Hillel veut dire en hébreu faire du bruit. Ok, Hillel. Il y a ce mot Hillel qui veut dire faire du bruit, et puis Zimmer qui veut dire chanter, célébrer. Les étudiants de l'école de louange, c'est votre interrogation a déjà commencé, ça va venir. D'accord. Et lorsque nous venons à des manifestations comme ça, évitons d'être coincés. Dis à quelqu'un, je ne veux pas être coincé. Non, je commence ici. Ne soyez pas coincés. Il faut être libre. Il faut être détendu. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, quand il faut débouler, il faut le faire. Il faut danser pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un veut danser pour le roi de gloire? Daniel, merci. Merci, enlève-moi les... Merci. Ce chant que nous allons chanter, c'est en lingala. Certains mots, vous ne connaissez pas, mais il est simple. D'accord, on veut seulement célébrer le nom de Dieu. Et il dit simplement que le Seigneur soit loué. Amen. C'est vraiment le refrain de jusqu'à la fin.
c'est vraiment que le Seigneur soit loué. Et ce refrain même, juste après, il va encore dire que, au fait, ceux qui ont déjà dévancé, ceux qui ont déjà eu leur des récompenses, mais la récompense, le secret vient de qui? De Jésus. Et juste à la fin, on va essayer de mieux comprendre encore que notre vie est devenue une vie dangereuse devant le diable parce que le diable ne peut plus nous toucher. Nous, notre vie est cachée dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ton corps, c'est dangereux si tu me touches. Dis à quelqu'un, le diable ne peut plus me toucher parce que je suis dangereux. Musicos, let's go. J'aimerais te dire que si tu es fiancé, distance de 1 mètre, tu danses avec. C'est la distance de sécurité. Mais si tu es marié, ne t'empêche pas. Si tu es marié, fais ça bien. Danse correctement. Je vois Dubert. N'hésite pas, danse avec les Lisa correctement. Francky, tu as encore le temps dans une semaine. Allons-y. Tongo etana, butu e indae. Kembo danzame, etonzi mukili. Batu na kangai, wapin zambe na yoe. Zambe nanga. Afanzi na kembo yoku mama Yahweh. Hey Yahweh, hey Yahweh, mama. Ku mama Yahweh. Hey Yahweh, hey Yahweh, ku mama Yahweh. Hey Yahweh, hey Yahweh, mama. Ah, si tu danses pas, c'est que je suspecte. Hey Yahweh, mama. Namo kiri batu na kangai, wapinza mena yoe. Nayanoli na lolendo, afanzi na keboe. Engambe mobali, tamba zonga kasimate. Tikana netora yo, makasi nangai. Yoku mama Yahweh. Hey Yahweh, hey Yahweh, mama. Mais fais ça bien, fais ça bien, fais ça bien. Hey Yahweh, yoku mama Yahweh. Hey Yahweh, hey Yahweh. Arrêtez les dons spirituels, bouge le corps. Hey Yahweh. Je veux encore le redire que depuis que je connais le roi de gloire, je ne connais plus les choses du monde, mais j'ai vu cette eau de vie qui a rempli toute ma vie. Je le redis encore. Utangana eba masia, osaya mokili esilanga, na melama ya bomoi, azipali bumwa motema. Ils sont encore derrière, je les attends, avancez. Ils sont encore derrière, avancez. Natika koluka luka vipaïso, nazwa oya motuya. Pauni nanga ya taro, masia yesu nana, loku mama Yahweh. Hey Yahweh, hey Yahweh, come on. Hey Yahweh, hey Yahweh, loku mama Yahweh. Mama Yahweh, Mama Yahweh, Mama
soe, Atana zangi nyo soe, Nibota etiki nga lelo e, Atana zangi mbongo e, Atana zangi nyo soe, Soki na moni sante na ngai, Jama na wako sato na yo e. Vous le faites très bien. Vous le faites très bien. Allons-y. Oh, Tanabisoto, yemeni yo. Tanabisoto, yemeni yo. Ah, vous connaissez ça. Encore. Dis-le à l'autre. Encore. Bah, oh, yo, bakenda kaliboso, eh. Yo, ne sais qu'elle est à bango. Comment, comment. Avec précis, allons-y. Yo, yo, bakenda kaliboso. Yo, ne sais qu'elle est à bango. Yo, bakenda kaliboso, eh. Yo, ne sais qu'elle est à bango. Yo, bakenda kaliboso, eh. Yo ne sais quelle est la bango. Yo ne sais quelle est la bango.
Là, je sens que la température est montée. Là, les anges sont debout en train d'assister à la célébration du roi de gloire. Ah oui, Mané, écoutez bien ce jeu de piano. Vous allez danser avec vous. Hier, on l'a fait. On va le reprendre aujourd'hui. Qui était en arrière? Ok, d'accord. Alors, Nico, bon. Allons-y. 1, 2. Encore. Encore. Ah. Une dernière fois. Wouh. On va, alors. Avinanga yo yo danger. Adon. Avinanga yo yo danger. Adon. Avinanga yo yo danger. Je te dis, danger, tu ne veux pas toucher ma vie. Danger, je te dis, danger, tu ne veux pas toucher ma vie. Danger, je dis, toi, maladie, je te préviens. Danger, sors de ma maison, je te dis. Danger, je dis, toi, pauvreté, je te menace. Danger, ma vie est dangereuse. Oh, je leur dis, Avinanga yo yo, danger, Avinanga yo yo, danger, Avinanga yo yo, danger, Avinanga yo yo, danger, 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 mais vous le faites pas bien. Ah, les chrétiens. Allez, tout le monde, on le reprend. Hey. Avinanga yo yo. Danger. Tout le monde descend. Tout le monde comme. Avinanga yo yo. Danger. Avinanga yo yo. Danger. Je te prie, Satan. Prévenu, danger, danger, ah, j'appartiens à Jésus. Avinanga yo yo, danger, 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 double 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 anoint
double double, na double double, business double double, na double double. Vous aimez ça, hein? Encore la fille. Hey, my God is good, oh. 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 Everything double double, oh. Na double double, oh. Everything double double, oh. Na double double, oh. Everything double double, oh. Na double double, oh. Business double double. Children double double. Na double double. On vous prend en photo, hein. Vous avez dit des enfants double double. C'est parti. Sukatini, sukatina, sukatini, tigitena, sukatini, tigitena, sukatini, tigitena, sukatini, tigitena, sukatini, tigitena, sukatini, tigitena, sukatini, tigitena. My God is good, oh. Hey, my God is good, oh. On doit partir à la maison. On doit rentrer à la maison. Mais vous avez déjà transpiré. Musique. Plaquez la colonne, c'est toujours. Touchez, 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 touchez. Tout le monde. Touchez, 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 touchez. Ah, allons-y. Ah, touchez, 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 touchez. Come on. Encore une fois. Ah, touchez, 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 touchez. C'est la fête ici. C'est la fête ici. Tout chez, 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 tout Chica. Il m'a tellement fait du bien. 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 Tu viens, tu viens, tu viens. Tu viens, tu viens, tu viens. Jésus m'a tellement fait du bien. Jésus m'a tellement fait du bien. Jésus m'a tellement fait du bien. Il m'a tellement fait du bien. Il m'a tellement, 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 tellement. Il m'a tellement fait du bien. Il m'a tellement fait du bien. Jésus m'a tellement fait du bien. Jésus m'a tellement fait du bien. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Il
restauré, restauré. Il m'a restauré, restauré. Il m'a restauré, restauré. Il m'a restauré, restauré. Il m'a tellement fait du bien, du bien. 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 Nous avons fini, nous avons fini. Il m'a tellement fait du bien, du bien. Il m'a tellement fait du bien, du bien. C'est la fin du concert, c'est la fin du concert. Il faut rentrer chez vous, il faut rentrer chez vous. Ah, il m'a tellement fait du bien, il m'a tellement fait du bien. Il m'a ah, il m'a tellement fait du bien. Ah, Jora, c'est parti. Il m'a tellement fait du bien, il m'a tellement fait du bien. Il m'a tellement fait du bien. Qu'est-ce qu'il m'a tellement fait du bien? Il m'a tellement fait du bien. Yelele, 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 yelele. Il m'a tellement fait du bien. Il m'a tellement fait du bien. Jésus m'a tellement fait du bien. Il m'a tellement fait du bien. Il m'a tellement fait du bien. Il m'a tellement fait du bien. Du bien, du bien, du bien. Du bien, du bien, du bien. Du bien. C'est fini. Majeur, majeur. Oh, majeur. Demain, c'est l'école. Tonalité. Ce que je veux, c'est vibrer pour Jésus. Aïe! Ce que je veux, c'est danser pour Jésus. 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 Non, je veux danser. Ah, je veux danser. Ah, je veux danser. Ce que je veux, c'est danser pour Jésus. Ce que je veux, c'est crier pour Jésus. Ce que je veux, c'est sauter pour Jésus. Ce que je veux, c'est sauter pour Jésus. Ce que je veux, c'est sauter pour Jésus. Non, je veux sauter. Je veux sauter. Moi, je veux sauter. Je veux sauter. Je veux sauter. Je veux sauter, sauter je veux sauter, sauter moi je veux vibrer, sauter sous je veux vibrer, sauter moi je veux vibrer, sauter moi je veux vibrer, sauter sous vibrer à gauche, vibrer à gauche, vibrer à gauche, vibrer à droite, vibrer à droite, vibrer devant, vibrer devant, vibrer devant, vibrer à genoux, vibrer à genoux, vibrer à genoux. Vibre à nous, vibre couché, vibre couché, moi je veux vibrer, vibre couché, couché, je veux vibrer, couché, vibre couché, couché, je veux vibrer, couché, vibre couché, couché, vibre couché, couché, vibre assis, couché, vibre assis, vibre assis, vibre assis, vibre assis, vibre assis, vibre assis. Vibrer assis, vibrer assis, vibrer assis, vibrer assis. Oh, moi je veux sauter, sauter, je veux sauter, sauter, ah, je veux sauter, 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 je veux sauter, 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 je veux sauter, 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 je veux sauter, 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 attention et attention et. Bonne nouvelle pour les étudiants. Oh.
La réussite divine est arrivée, oh. L'échec est parti, oh. Allez, tout le monde. Recevez, recevez, recevez. Au nom recevez, de Jésus. Recevez, recevez, recevez. Au nom recevez, de Jésus. Recevez, recevez, recevez. Ah, au nom recevez, de Jésus. Recevez. Attention. Attention, eh. Bonne nouvelle pour les célibataires, oh. Si c'est pas le temps, attendez, oh. Si tu n'es pas prête, va te faire enseigner. Mais celui qui est prêt, qu'il reçoive, oh. Tout le monde recevez, 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 au nom recevez, de Jésus. Recevez, 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 au nom recevez, de Jésus. Recevez, 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 au nom recevez, de Jésus. Recevez, 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 au nom recevez, de Jésus. Recevez, 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 recevez. Attention, je vous annonce que le concert est terminé. Cette fois-ci, c'est bon. Tombe la guitare, tombe la guitare. Tombe la guitare, tombe la guitare. Tomo la guitare, tomo la guitare. Tomo y ando bien, tomo y ando bien, mamá. Tomo la guitare, tomo la guitare. Na tomo li. Tomo la yango, tomo la yango. Na tomo li. Tomo la yango, tomo la yango. Na tomo li. Tout le monde, go, go. Ré, mi, avec ma guitare. Tombe la monnaie, avec ma guitare. Avec ma guitare. Avec ma guitare. Encore, Monica, accordez Yango, allons-y. Go, ré, mi, tout le monde. Avec ma guitare. Araba, shake it. Avec ma guitare. Le gars est là-bas. Avec ma guitare. Nous allons le dire, Yewana. Avec ma guitare. Oh. Yewana. 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 En fait, les musiciens veulent arrêter. Je ne suis pas fautif. Ok, on va terminer avec Fanda Nayo. Mais c'est vraiment la fin des fins. Est-ce qu'il y a un fou de Jésus? Est-ce qu'il y a un fou de Jésus? Nakotombo l'anzambe tinati. Musicien, allons-y. Tu es révélé. Tu peux soulever la chaise. Soulever la chaise. Bene pataka. Ok. Allons-y tous. Kiti, allons-y. Kiti abokonzi na yo yeswe eleki makasi. Nanya korongo na yo poto bota yo te. Bampaka. Bampaka mikolo ba mama bilenge deside. Yabokondo ba kito yo yabokonzi. Ya ya yeswe. Kiti abokonzi na yo yeswe eleki makasi. Nanya korongo na yo poto bota yo te. Bampaka mikolo ba mama bilenge deside. Yabokondo ba kito yo yabokonzi. Musique. Ya ya yeswe. Musique. Prends ton temps. Cherche un mouchoir pour faire comme moi. Ah. Allons-y. Kitty.
ya bokonzi na yo Yesu eleki makasi na nyakolongo na yo moto bota yo te papaka papaka mikolo mama mabilenge deside ya kotolo bakito yo ya bokonzi ya ya Yesu encore une fois kiti kiti ya bokonzi na yo Yesu eleki makasi na nyakolongo na yo moto bota yo te papaka mikolo mama mabilenge deside Des grands danseurs, nous allons recruter. Hein. C'est parti, tout le monde. Oh! Acclamez le roi de gloire. Acclamez le roi de gloire. Nous disons merci à vous. Mais les bonnes choses ont toujours une fin. À nous revoir prochainement. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire?